Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence, une fois n'est pas coutume, par le lavage très rapide de la moto. Donc on est au lendemain de la sortie des Pères Noël, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Allez, pour la faire sécher un petit peu, je vais vous emmener dans Tours et puis on va aller regarder les décorations de Noël. À tous les puristes qui disent surtout il faut pas laver ta moto au Karcher, bah écoute, je vais pas vraiment la laver au Karcher parce que je vais juste prendre un petit rinçage anti-trace sans mettre la pression, juste pour décoller la merde, et puis ensuite demain ou après-demain je la nettoierai en profondeur et je finirai avec les lingettes, le French cleaning. Je vous remets la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu mon test des lingettes le French cleaning. Ah, ça part pas ça, hein. Ah si. Alors là, on arrive sur la place des Jets d'eau, donc place Jean Jaurès à Tours. C'est la place principale. La semaine prochaine, vous la verrez toute rouge, cette place-là. Le run des Pères Noël a été complet cette année. Ah, c'est bon ça. Vive la moto. Voilà, on y est. On va essayer de s'arrêter quelque part. Franchement, l'hôtel de ville est vraiment magnifique. Énorme. Et voilà, la chèvre de Tours. Incroyable, on la voit pas souvent. Le marché de Noël. Oh, putain. C'est moi qui ai fait ça.
tram qui arrive. C'est une Harley. Une Harley? Je vais regarder de près parce que j'ai un peu par la mobilette. Et tu... D'accord. Et ça, c'est pas un petit Harley, ça. On est d'accord que c'est un bon 2 cylindres. Ouais. 2 ouais, 2 cylindres, ouais. En V, ok. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi déjà? Filtre à air. Ah, le filtre à air, ça a changé depuis. Il y a un cendrier dans les bois quand j'étais à Vélizier. Ouais. Je vais quitter le 104, l'autobécane, quitter le 75. Ouais. Pareil, il y avait un 303SP, il pleuvait, on est dans les bois. Ouais. Et il y a des trous d'obus. Des fois, il y avait des bosses comme ça, ce qu'on fait. C'est qu'il y a des gagnants partout. Donc, de base, il faut prendre les tremplins qui vont sur deux. D'accord. Les autres, pendant que mes potes, ils me balançaient la bouillade. J'ai vu l'autre jour sur les annonces, ils vendaient un 102 pour 200 euros. Ah ouais. Ah ouais, ça vaut le coup, hein, c'est sûr. Hein. Bah écoute, bonne soirée. Hein. Salut. Et voilà, c'est ça les Harley, c'est les rencontres, enfin la moto même, de manière générale, sans parler de Harley. Allez-y. Allez-y, c'est Noël. Sympa. Allez mamie, tu peux y arriver. Je vais pas mettre un coup de gaz parce que je vais lui faire peur, je pense. Donc là on est vraiment dans la vieille ville de Tours, on est dans un des deux pôles historiques de la ville, allez-y. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la place du monstre, il est là, le monstre. Bah, c'est pas hyper décoré non plus, incroyable. C'est quoi ce truc là-bas? Oh, qu'est-ce que c'est que cette caisse? Ah la vache, elle va où? Faut que je vois ça. On dirait la caisse de Batman, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette caisse?
Putain, cette largeur, c'est une Mercedes, les enfants. AMG. Ah, c'est une AMG, pardon. Oh là 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 là, ce truc. Superbe. Magnifique. V8 biturbo. Eh ben, on va se quitter là-dessus, les gars. Sur ce petit V8 biturbo AMG magnifique. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo, évidemment. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao.